Hello, bienvenue dans la cuisine de Vicky Show. Merci déjà pour tous vos likes, pour tous vos partages et tous les abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le poisson braisé avec les frites de plantain. Voilà notre poisson pour maquereau. On a notre plantain ici. Ce plantain bien mûr. Alors, mes condiments de sauce, bien sûr. Voilà. J'ai mis ça. Le gingembre. J'ai mis le jasmin. Voilà. Le poivre blanc. Quatre côtés. Les clous de girafe. J'ai mis le l'ail. J'ai mis l'oignon, j'ai mis le persil et j'ai mis le céleri. Et j'ai mis aussi le pépé. Et j'ai écrasé tout l'ensemble. Et voilà ce que ça donne. C'est pour assaisonner le poisson. Et avec le cube, on a notre sel et de l'huile. Alors, on va nettoyer le poisson. Comme ça, on nettoie le poisson. Avec de la bonne musique, hein. On écoute de la bonne musique. Voilà. Nettoyez bien. Bien. Je préfère souvent ouvrir par ici. Voilà. On nettoie bien. Vous savez, le maquereau a beaucoup de sang. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour le nettoyer. Bien racler avec le couteau pour enlever le sang du milieu. Bien racler. Bien racler. Pour racler. Voilà, pour racler bien. Bien racler toujours. Enlever bien le sang. Lavez bien votre poisson. Il faut toujours bien laver ce poisson. Bien le laver très bien. Dans la tête, les mâchoires, tout ça, le ventre. Bien enlever le sang. Bien enlever tout, pour nettoyer. Et les gens, vous voyez, bien enlever tout ce qu'on a là-dedans. Bien enlever. Bien enlever, il y a encore un peu de sang ici. On va rester bien le sang. On va rester bien. Là, je vais laver avec le sel et un peu l'eau chaude. Non. Mets le sel. Pour bien laver votre poisson. Il devient bien propre. Avec l'eau tiède. Parce que le sel aide à enlever tous les petits saletés qui sont restés à l'intérieur. Mettez bien le sel. Voilà. Vous laissez un peu, 5 minutes. Regardez, vous voyez la saleté qui sort quand vous mettez de l'eau tiède avec... avec le sel. Voilà notre poisson tout propre. On va bien le rincer. On va bien le rincer maintenant. Thank you.
manger. Profondément. Hein. Jusqu'à l'arrêt. Pour que le sel pénètre bien et les condiments aussi. Les deux côtés en fait. N'oubliez pas, il y a aussi, on doit mettre de la moutarde. Je vais vous montrer après. Voilà. On rince encore. On a bien découpé là. Maintenant, on va mettre notre sel. Voilà. On va mettre le sel. Vous le voyez comme ça, et vous mettez votre sel. Vous laissez reposer votre poisson. Reposer notre poisson pour que le sel pénètre bien. On a fait le plantain pour les frire. Écouter de la bonne musique au aimez la page, abonnez-vous et partagez aussi. Voilà notre plantain qu'on va frire. On laisse aussi reposer un peu. Voilà, on a mis notre huile à chauffer au feu pour frire nos plantains. Et pendant ce temps, on va assaisonner notre poisson avec les condiments. Mais le cube, hein, déjà pas. Voilà, c'est bien là comme ça. Je vais faire au four.
Voilà, on laisse aussi reposer. L'huile chauffe déjà, donc on va mettre le plancton. Voilà, au plantain, bien marron. Sto cucinando il pesce con le plantano. Oggi, il pesce con le plantano. Ecco le plantano. Voilà, on enlève, la belle couleur, c'est ça. Pendant ce temps, on va mettre notre poisson au four. Là, on va allumer le four, 180. Et là, c'est notre poisson, alors, on doit le mettre au four. Ça, c'est la moutarde. Toujours avoir un pinceau. Tenez votre poisson. D'abord, vous mettez ici. Ça,